Ici en Afrique, des albinos, nous souffrons d'une discrimination criante et puis il y a tant de meurtres. Je suis M. Mouimba Makies et Alphonse Texas, président de l'ONG des albinos, la fondation Mouimba Texas en République démocratique du Congo. Quand j'avais entamé le catch, les aînés que j'ai trouvé en catch me disaient « Mais non, Texas, toi en tant qu'albinos, tu ne seras pas en mesure de faire le catch parce que vous êtes fragile. Si vous comptez donner un coup, ta peau va changer de couleur. » Partout, on coupe des têtes des albinos, des corps des albinos mutilés. Des gens disent que dès que vous avez des cheveux des albinos, ça va vous rapporter beaucoup d'argent. Et d'autres gens disent que non. Si vous êtes atteint du sida, pour que vous puissiez guérir cette maladie, il faut être en rapport avec une albinos. Tu vois, c'est un danger, tout ça. La maladie qui ravage des albinos, c'est le cancer de la peau. Par trimestre, nous arrivons à enterrer 5 ou 6 albinos. Et j'achète des crèmes solaires, des chapeaux, des parasols, des lunettes anti-soleil aux albinos. Et donc, j'utilise même ma notoriété de catcheur pour soutenir mes semblables ici en République démocratique du Congo. Je demande aussi à ces albinos d'être forts mentalement. Cela veut dire de faire un effort pour se décomplexer parce qu'il y a plusieurs albinos qui sont vraiment complexés.